lakayo ak yon vi ki plen labyo. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de la grande famille du ministère de délivrance, bonjour, bonsoir, bon dimanche et déjà bonne semaine, que bon Dieu est capable de continuer bénir nous. Il y a des gens qui pas d'accord avec gâteau parce qu'ils disent gâteau est trop douce. Mais tu manges ça, c'est bon tu manges, oui, bon tu bailles qui bien préparé, que bon Dieu voyait pour nous nous capable nourrir. Et l'offin tande yo, c'est voyer yo by l'autre monde tout pour capable tande yo pour que l'autre nam capable béni et nourri au nom de Jésus. Nous content aux mêmes amis qui a peine abonné ensemble avec nous, n'a salué dans nom bon Dieu et nous souhaiter bon Dieu pas manquer pas bénir. Ou même cap suivre nous Florida dans les États-Unis qui salue nous. Nous saluons aussi et nous souhaitons capable propager vidéo ça yo by d'autres personnes pour que le travail soit capable d'arriver très loin selon volonté bon Dieu. Matin, nous parlons ensemble. J'ai caché ta parole dans mon cœur. Dans le second, il dit, je sers ta parole dans mon cœur. Et Vigile Lab qui est pour titre, le signe distinctif d'un véritable disciple de Dieu. Avant nous disons, dans le contexte leçon, on a invité à faire mes yeux pour la prière. Bon papa, nous qui dans le ciel là, nous exaltons, nous louons, nous remercions parce que vous permettez que nous capables bien vivre dans un moment ça pour parler à travers nous-mêmes avec petit ou yo. Nous demandons capables édifier à salut, nous prions concernant nom Jésus. Amen. Vigila, c'est le signe distinctif d'un véritable disciple de Dieu. Texte de base là, c'est Luc 3, le verset 35 qui dit aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Et vigile la matin là, gen moun y pa pral nan sens yo. Parce que li di faut remè ennemi ou. Et remet moun qui fait au mal, remet moun donc, depuis son moun c'est ennemi, son moun qui pas fort bien. Donc remet moun qui fait au mal quand même. Et il y a aller loin pour dire que moun qui méchant yo fait même bagarre la tout, yo remet moun qui méchant pareil yo. Mais moun qui c'est petit bon Dieu yo, et bien les deux faut qu'on remet moun qui ennemi on là. Faut capable saluer, parler ensemble avec lui, faut capable convaincre lui. Il faut le capable ouais non ou même un disciple de Jésus-Christ. Donc Jésus comprend monde qui disciple yo, c'est monde qui choisit tolérer remet monde qui est ennemi yo. Donc dans sens ça, il pas facile. N'a d'accord avec que il pas facile parce que façon que bon Dieu m'a dit pour nous faire ça comme si pour nous faire bien avec monde qui fait nous mal. Texte la précise quelque chose oui qui très 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 difficile oui. Li di remè ennemi ou fait bien et prêter sans rien espérer. Alors moun vin mande m 2 3000 dollars prêter pour me pas espérer que la promet moi comme là donc c'est bagage qui difficile. Mais puisque c'est bon Dieu qui mande pour nous faire donc nous devons essayer et nous devons apprendre faire ça permet que nous prouver bon Dieu que nous comprendre ça dit nous faire. C'est ça méditation pour nous matin hein? Et c'est ça qui permet de nous comprendre que vie spirituelle n'est pas une vie qui est facile selon Jean, bon Dieu, mandé pour nous faire. Nous sommes contents pour nous présenter au vigile là. Nous avons demandé pour réfléchir en ce sens. Nous allons présenter la leçon dimanche là. Mais avant tout, nous avons répété après moi la leçon 8. La sagesse pour vivre dans l'intégrité. Verset à mémoriser. Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Psaume 90, le verset 12. Chers frères et sœurs, je dis à ce dimanche, nous parlons ensemble, j'ai caché ta parole dans mon cœur. Et c'est une expression David utilisée pour le capable de dire à bon Dieu que lui souhaitait faire volonté. Le nous garder dans un parcours historique de ça qui a un rapport avec Ève, nous, Ève, tu as une forme de réflexion pareille. Le ennemi apparaît devant Ève, Ève dit oui, moi connais. C'est ça yo dim pour me faire. Well, li connaît donc parole là té dans cœur li. Li connaît parole là. Mais c'est pas ça li pratiquer. Donc nous wè
deux moun sa yo, youn en réalité pas de conséquence péché Eve, mais il te gen formation qui sa capable vini, mais David connaît conséquence péché. C'est ça que fait dit afin de ne pas pécher contre toi, mais plus pour conséquence qui vini après yo. Question cœur, il est très important pour nous capable aborder ensemble avec vous, parce que cœur gagne pile importance pour nous dans le mode de vie que nous menons et fonction vitale dans nous-mêmes. Pour cela, il est important pour nous capable parler un peu du cerveau. Pour quelle raison nous venons avec cerveau? C'est parce que nous avons un événement qui arrive au monde, qui fait le fou, et un événement qui arrive au monde qui est capable de bloquer le cœur. Donc, si événement capable de faire fou et un événement capable de bloquer le cœur, ce n'est pas seulement le cœur qui est important pour nous en dans le son, mais l'esprit à tout. Mais moi, comment le réfléchir, comment y aller? Il dit nous bien, le cerveau influence le rythme cardiaque. Le cerveau influence le rythme cardiaque. Le cœur est relié au tronc cérébral à la base du cerveau par des réseaux de fibres nerveuses autonomes. Donc c'est juste pour dire mémoire, cerveau, côté nous dit que nous réfléchissons bien, lié avec cœur. Pour qui raison nous venons parler de cerveau et cœur en dans le son ça? C'est parce que David dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Or Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le cerveau a ses sièges, l'esprit a que lié. C'est-à-dire, que le bagage ou décide fait. Eh bien, cerveau après le voit information en cœur et cœur après le prend décision. Le nous aller dans Hébreu, nous joignent mot utilisé dans Psaume 119, le verset 11 là, c'est leb. Leb, eh bien, qui signifie homme intérieur, esprit, volonté, cœur, compréhension. C'est ça leb signifie. Mais dans quelques parties, il signifie partie interne, milieu. Il signifie cœur, il signifie âme, il signifie esprit, connaissance, pensée, réflexion, mémoire, et il signifie inclination, résolution, détermination, il signifie conscience, cœur, caractère moral, siège des appétits, siège des émotions et passion, siège du courage. Donc tout mot capable d'utiliser à la place leb que yo utilisé pour cœur ou capable de joindre cœur, esprit, pensée, sens, raison, milieu en lui-même, de son gré, habilité, intelligence, courage, décourager, se réjouir. Pour qui raison nous fait une recherche ça pour vous? C'est pour nous capable de dire bien raison fondamentale qui fait nous bon Dieu dit, il écrit commandement dans cœur l'homme. C'est même mot lebsa, même mot hébreu lebsa qui utilisé dans Jérémie 31. Dans tout péricope là que li bay comme information. Donc nous ouais chers frères et sœurs, l'alliance bon Dieu il fait avec l'homme dans l'écrit commandement dans cœur l'homme, c'est exactement milieu côté il doit écrire. Donc nous elle parler de milieu. Well, les blas parler de milieu. Tout le monde t'a prend milieu comme les t'a prend quoi pour diviser, il va chercher mi-temps quoi pour chercher milieu. Non. La Bible comprend milieu, c'est centre de réflexion, sens ou raisonnement, intelligence ou capacité ou. C'est là bon Dieu a écrit loi. Il écrit yon côté pour bien réfléchir, pour apprendre bien parler, pour bien disposer ou pour faire ça bon Dieu mandé. C'est comme si bon Dieu écrit loi. Alors bon Dieu écrit loi en côté, yon côté pas doué discuter pour décider d'une manière volontaire. C'est comme si bon Dieu motiver conscience ou par rapport avec loi gouvernement par là. Donc loi pour décider ou capable décider selon volonté bon Dieu normalement parce que c'est là bon Dieu écrit la loi morale. Mais pour qui raison David fait intervention ça? C'est parce que les hommes eh bien yo parti contre la loi de Dieu. Si n'a regardé jodi à là, l'homme commençait à fonctionner d'une manière insensé et déraisonné. Ah oui, parce que si loi écrit qui côté, li écrit dans pensée ou, maintenant nous pral gagner des mauvaises pensées puisque on retire loi ou même. Si loi écrit dans sens ou même ou retirer, maintenant on pral vivre une vie insensée.
Si loi écrit dans le sens de raisonnement ou retirer ou pour mener en vie déraisonné, c'est ça que fait nous le monde Jean li là. Le monde Jean li là, c'est parce que en pile prédicateur, en pile moun a dit que la loi abolit moun pas droit observer la loi. Donc cœur moun ça est en vide et si cœur vide, li pas gen loi bon Dieu. Mais non, comment on va le fonctionner? Ou pral vivre normalement selon la loi de l'ennemi, selon Éphésiens 3, automatiquement parlant, ou pral vivre avec un cœur qui pral sous un rythme qui parle dans le rythme de Dieu. Et là tout, ou pral jouer moun yo pas spirituel. Ça fait pas spirituel, c'est parce que loi bon Dieu a dit y a spirituel et en même temps y a sociable et n'a pouwè yo retirer loi, donc ou a pouwè yo pas spirituel et yo vinn tomber dans un conflit côté youn ap tue l'autre point. Donc, Zamim, c'est ta plus gros acte. C'est ta plus gros acte de méchanceté les hommes t'as capable de faire quand tu décides de vivre hors de la loi de Dieu. Maintenant, la Bible décrit une vie quotidienne de foi comme un pèlerinage, une marche avec Dieu dans sa voie de justice. Donc, la Bible dit yon moun kap marche avec bon Dieu. C'est un monde eh bien qui n'a en situation côté tel y a la pas pour lui parce que ça qui régnait en tant constitution yo loi qui fait yo aller contre nous-mêmes qui gagne loi bon Dieu dans nous-mêmes parce que n'a point corruption bas son plein n'a point immoralité sexuelle là aller très loin n'a point grand pile dérive en de foyer yo et n'a point l'homme tout fait pile en pile mauvaise chose sous corps yo. Maintenant, la Bible dit nous bien, nous-mêmes qui marchons avec bon Dieu, eh bien, nous gardons la loi de Dieu, nous sommes éclairés de cette loi. C'est-à-dire, loi apprend nous réfléchir, nous penser comme Dieu. Bien sûr, nous penser comme Dieu. Et c'est ça que fait, il dit, c'est une lumière pour nous. Donc, yon moun kap marche, kap garde commandement bon Dieu, ça pas vle dire ou c'est yon moun qui pral dit que ou ap sauvé selon la loi. Non, seulement ou ap penser à la manière de Dieu, Jean bon Dieu vle la. Donc nous devons impliquer ça dans nous et nous devons mener une vie en ce sens pour que bon Dieu capable comprendre. C'est ça que fait nous pral wè noir sur blanc et bien n'a capable mener une vie irréprochable. Oui, parce que n'a marché selon commandement bon Dieu, n'a capable intègre et n'a capable faire bon Dieu plaisir, n'a capable vivre une vie sans péché. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas pécher, non, mais le fait qu'on raille péché et qu'on remet Dieu, c'est sa grâce la fait dans où, c'est sa sauvé la fait dans où, ou raille péché, ou remet Dieu, l'on vient péché, ou plus facile pour demander bon Dieu pardon, donc péché n'a pas résidé la caillou, comme dans le cas de Caïn. Bon Dieu te dit à Caïn, péché a habité devant porte la caillou. Est-ce qu'on a ouvert porte là pour faire péché ça? Donc, péché n'a pas arrêté beaucoup, ou pas toléré, ou repoussé péché. Regardez commandement bon Dieu, ou observez principe bon Dieu, eh bien, ou vin yon moun qui révolté contre le monde, ou révolté contre les mauvais conseils. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ecclésiaste pral dit nous bien, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Donc nous, ouais, Ecclésiaste, mettez-nous en garde. Et Ecclésiaste fait et rappelle avec premier message, message des trois anges là. Nous devons garder commandement bon Dieu parce que jugement là a vini. C'est-à-dire, c'est parce que commandement bon Dieu a gain pile importance qui fait nous dans Apocalypse 17 dragon irrité contre monde qui a gardé commandement bon Dieu et très bientôt nous pral joindre un conflit qui pral délivrer entre monde qui a gardé commandement bon Dieu et monde qui sous l'obéissance de l'ennemi. Donc chers frères et sœurs bien-aimés, chers frères et sœurs bien-aimés, l'important pour nous capable comprendre importance bon Dieu by l'homme s'il d'accord écrit commandement dans cœur li. Et pas oublier nous dire cœur a et bien c'est là il y a une série de émotions chita et nous dire bien gain nouvelle capable bloquer cœur tant que capable faire fou, c'est-à-dire l'homme garder commandement mon Dieu ou équilibré ou. Et ça fait Jésus t'après dit disciple attention, c'est pas ça qui rentre qui fait mon péché, mais c'est ça qui sortit.
Parce que bon Dieu te gagne ton bagage dans le monde avant 10 commandements. Maintenant, si vous avez poussé des choses qui pas bon, l'a dit des choses qui pas bon, l'a comporté le mal, c'est-à-dire que ça pas gagné commandement bon Dieu dans lui-même. Vous ne pas transformé. Vous ne pas vivre pour la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est important pour nous capables de pratiquer les commandements de Dieu. C'est important pour nous capables de mettre en valeur et exprimer dans le langage, nous, dans le comportement, nous, dans le style de vie nous mener. Pour tout le monde capable, nous ces petits bon Dieu que le Seigneur vous accorde ce privilège. Nous sommes contents pour nous présenter le son. Hein? N'abord rendez-vous à demain si Dieu veut, dans la partie lundi à Capgain pour titre. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. N'a invitons à fermer les yeux pour la prière. Céleste Père béni, merci parce qu'on fait nous comprendre la raison primordiale qui fait ou écrit commandement dans le cœur nous. C'est là vraiment milieu nous y est. Côté nous appelé pour nous raisonner, penser, réfléchir, prendre des décisions, c'est là nous moun. Donc Père, merci parce que à travers caractère pauvre, vous voulez faire nous moun selon vous-même. Merci pour parole ça nous prions concernant nom Jésus. Amen. Sauti 11h, rivé minuit, avec ministère de délivrance, vient passer un moment de prière. Un moment côté où on peut recharger la batterie spirituelle. Et un moment tout côté où on peut bon Dieu sous sérieux. Et comme ça, on est toujours content dans le nom de Dieu. Et puis, délivrance par nous toutes, on est assuré dans le nom de Jésus.